Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors par rapport à la dernière, j'ai changé d'objectif donc je pense que ça fait une grosse différence. Au montage, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très très proche de l'écran. C'est vrai qu'on se rend pas compte du rendu à chaque fois quand on le voit en retour écran ici sur l'appareil photo, puis quand on passe sur un ordinateur. Donc désolé si c'était un petit peu dérangeant de m'avoir la tête vraiment très très proche. Là j'ai essayé de faire différemment avec un autre objectif. C'est pas mon appareil de d'habitude donc j'essaie de l'apprivoiser un petit peu. J'espère que ça vous plaira comme ça. Dites-moi ce que vous préférez. Et on dit bonjour à un nouveau personnage dans ces vidéos, c'est Fidji tout simplement, c'est le chat de mon chéri. Je te laisse tranquille, c'est ça? La luminosité est en train de tomber, j'ai pas réussi à m'y prendre avant, j'espère que ça ira quand même. De toute façon c'est pas bien grave puisque c'est un haul action et il n'y a pas besoin d'une grande luminosité pour ces vidéos là. Donc j'ai le ticket de caisse et puis on y va pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé là-bas. J'avais surtout besoin de noix, de graines de tournesol par exemple, de mélange de noix pour faire des muesli maison. J'avais aussi besoin de certains trucs pour certains cadeaux de Noël. Donc je prends comme ça vient et on y va. En premier j'ai acheté une boîte en plastique comme ceci qui est réversible, donc vous avez des rangements d'un côté et de l'autre. Donc ça je ne vous dirai pas à quoi ça va servir, mais ça va servir à quelqu'un pour Noël. Donc vous avez d'un côté des petits casiers comme ceci et de l'autre des casiers qui sont cette fois-ci un petit peu plus grands pour ranger des choses un peu plus grandes. Ça c'est parfait pour le loisir créatif et ça coûtait vraiment pas cher. La qualité est pas non plus ouf, c'est pas du plastique hyper épais et hyper résistant, mais ça fera très très bien l'affaire dans ce pourquoi je l'ai imaginé. Ensuite j'ai trouvé des chaussettes pour hommes comme ceci qui sont en bambou. C'est une fibre assez éco-responsable, donc je trouvais ça super sympa et elles sont hyper hyper douces. Donc voilà, j'ai un monsieur qui a besoin de chaussettes en ce moment. Je ne dirai pas qui et je ne dirai pas pour quelle occasion je les ai achetées, mais du coup voilà, elles seront sous le sapin. Ce sera un petit cadeau un peu anecdotique, un peu marrant, puisque des chaussettes c'est vrai que ça sert toujours, c'est toujours utile et puis ça fait rire quand on en reçoit. Vraiment elles sont toutes douces et je pense qu'elles sont agréables à porter. Ensuite j'ai trouvé un truc hyper intéressant, je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. C'est des recharges en fait pour des produits ménagers. Donc vous avez des recharges pour un produit pour la salle de bain et des recharges pour un nettoyant de multisurface. En fait vous avez de la poudre que vous venez diluer dans 750 ml d'eau et à chaque fois vous avez deux recharges, donc vous pouvez faire deux fois 750 ml de produit. Moi en fait je suis très très fan des produits H2O, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez des bouteilles en plastique que vous venez aussi recharger avec les produits H2O bien sûr, mais ils sont un peu plus chers et donc du coup là comme c'est par réunion c'est difficile de les avoir. Du coup j'ai acheté celle de chez Action, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je vous dirai ce que j'en pense et j'ai hâte de m'en servir et je trouve ça vraiment super dans la démarche un peu écologique, donc c'est cool et pas cher en plus. Ensuite je me suis trouvé de la peinture métallique et fait un petit peu bronze. Je cherchais normalement de la bombe métallique couleur bronze, je sais qu'ils en faisaient à l'époque mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris la peinture. Ça va être juste un peu plus long et un peu plus relou à faire puisque faut peindre plutôt que de sprayer. Le spray c'est beaucoup plus rapide, mais bon tant pis, je vais faire avec ça, c'est pas grave. On verra si elle est de bonne qualité, on verra si elle est bien couvrante et bien opaque. Donc j'ai été contente de trouver ça. Ensuite Roger va être content, je lui ai repris ses sticks comme ça avec plein de graines qu'il adore grignoter. Donc celles-ci elles sont au miel. Quand je sais que je pars longtemps ou quand je sais que j'ai une journée un peu plus longue, je lui en mets un. Alors vraiment c'est une fois par semaine, pas plus, parce que sinon ça va devenir un lapin obèse, mais sinon il adore passer le temps avec ça et je trouve que ses journées du coup sont moins longues avec un stick à ronger. Je me suis repris deux bobines comme ceci de cordelettes coloris un petit peu jute. J'adore ces petites cordelettes là, je m'en sers aussi bien pour de la déco, je m'en sers pour emballer des cadeaux de Noël ou des cadeaux de toute occasion. Je trouve ça vraiment trop trop beau, ça fait la petite touche nature autour d'un papier cadeau, j'adore et il m'en fallait, donc du coup j'ai pas hésité à en reprendre deux rouleaux. Surtout que Noël arrive et les cadeaux vont être en masse à emballer, ça coûte vraiment que dalle. Je trouve ça trop joli autour d'un cadeau, c'est la petite touche qui fait tout son effet. Ensuite il me fallait des sacs poubelles, donc j'ai repris ceci en 34 litres de la marque Dumil et eux ils ont les petites cordelettes à fermer et c'est très pratique. J'en avais pas sur ceux d'avant donc ça m'a saoulé, il me fallait des cordelettes pour les nouveaux. Ensuite j'ai repris une bombe de chez Airwick pour mettre dans le sheet des toilettes qui est automatique là, qui se déclenche tout seul. Là c'était le turquoise oasis, j'ai pas trouvé celui que je prends d'habitude qui est à la vanille, donc j'ai pris celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ça va ma fifi? Ensuite il me fallait une trousse de toilette pour un homme, donc j'en ai trouvé une qui est trop trop belle de la marque Code Homme et elle est trop trop jolie en imitation cuir comme ceci marron. Vous avez un zip comme ceci à deux tirettes que vous venez descendre comme ceci, vous avez ensuite deux ouvertures, donc c'est un seul et même compartiment et elle est vraiment très très belle, donc il m'en fallait une pour une occasion particulière. Elle est toute souple et je pense qu'elle va être très pratique à mettre dans un sac et à emporter partout. Ensuite je me suis pris non pas un, non pas deux, mais trois paquets de graines de tournesol. Ça c'est mon petit plaisir devant la télé.
Si j'en ai pas, franchement, je suis dégoûtée et je suis triste de ne pas en avoir, donc il m'en faut tout le temps. Et c'est tout le temps à Action que je les achète. Ensuite, je me suis repris des chaussettes d'intérieur qui sont très jolies. Il y en a une blanche comme ceci avec des filaments un petit peu argentés et une noire toute simple qui est pilou pilou. Bah moi, j'en utilise tout le temps des chaussettes d'intérieur parce que c'est du carrelage partout dans cette maison, donc j'ai tout le temps froid aux pieds, il m'en faut. Et surtout, je les change souvent parce qu'avec trois animaux à la maison, je peux vous dire qu'elles subissent beaucoup beaucoup au quotidien. Ensuite, mon chéri avait besoin d'une souris sans fil comme ceci, donc je lui en ai pris une chez Action. Vous avez la petite clé USB que vous venez brancher sur votre PC et ça fonctionne tout seul. Je peux vous la montrer parce qu'il l'aura vu d'ici là. Je me suis repris mes collants favoris de tous les temps, c'est ceux de la marque Kate, et là ce sont les 82 niers que je prends en taille L puisque c'est ceux qui sont les plus longs puisque moi je suis très très grande. Vous avez 80, 60, 40 et 20 deniers. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, donc n'achetez plus des dîmes qui vont vous coûter la peau du cul. Ceux-ci sont très très bien et très résistants, donc je vous les conseille. Ensuite, j'ai repris des petites graines de tournesol comme ceci, décortiquées déjà. C'est pas salé du tout et ça dans les salades c'est juste un pur bonheur, j'adore. Et surtout, je vais faire des muesli et des granola maison, donc du coup il m'en fallait pour mettre à l'intérieur. C'est trop trop bon, moi j'adore en foutre partout. Ensuite, j'ai acheté des cacahuètes non salées. Ce sont des cacahuètes toutes simples qui sont nues et qui sont sans sel surtout, et ça c'était important puisque j'ai regardé il y a 2 semaines Le Meilleur Pâtissier spécial Amérique, et donc du coup ils ont fait leur propre beurre de cacahuète. Je mange du beurre de cacahuète tous les matins dans mon porridge, et autant vous dire que j'avais une consommation assez excessive et que j'en achetais très régulièrement. Ça coûte très cher le beurre de cacahuète, et surtout vous n'êtes pas sûr du tout des compositions que vous allez trouver. Je me suis dit bah je vais tenter de faire moi-même. J'ai essayé et c'est très très bon, donc voilà, je ne rachèterai plus, du moins j'espère, de beurre de cacahuète industriel. Je le ferai maintenant moi-même, et j'en ai pris autant parce que je compte bien le partager et l'offrir à ma famille. Pour ça que j'ai pris 3 paquets, j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai acheté des graines de chia et je compte bien faire des confitures aux graines de chia. Apparemment c'est super bon, j'avais très envie de tester, faire mes confitures moi-même avec des fruits congelés que vous trouvez en supermarché, rajouter un petit peu de sucre et rajouter des graines de chia. Apparemment c'est un mélange délicieux, donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans une recette de confiture. Je me suis pris des noix du Brésil, ça ce sont vraiment mes noix préférées, par contre c'est celles qui coûtent le plus cher, encore une fois pour mettre dans mes granola et mes muesli maison. Ensuite j'ai pris des noix toutes simples, ça aussi c'est une noix que j'adore, par contre j'ai le petit inconvénient que ça me donne des aftes, donc il faut que je fasse attention quand j'en mange. En tout cas je peux pas m'en passer, j'adore les noix, m'en faut tout le temps, et ça pour les mélanges de muesli et de granola c'est trop bon. Et ensuite en format XL, je me suis pris un mélange de fruits à coque, donc vous avez de tout, vous avez amandes, noix du Brésil, noix de cajou et noix. C'est non salé, c'est non grillé, donc vous en faites un petit peu ce que vous voulez. C'est une base qui est plutôt sympa pour faire des gâteaux, pour faire des granolas notamment. Donc trop contente d'avoir trouvé ça. Donc voilà pour mon haul de chez Action. On finit cette vidéo complètement dans le noir, je suis désolée pour la luminosité. Je vais essayer de m'organiser pour tourner un peu plus de jour plutôt qu'à la tombée de la nuit. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de voir un petit peu ce qu'on trouve en ce moment chez Action. Je suis assez ravie de mes achats, j'ai pu trouver quelques trucs pour Noël qui sont un peu minimes par rapport à toute la liste de choses que j'ai achetées. Mais au moins ça m'avance dans mes préparatifs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Ciao !